Je viens voir Dedan. Dedan ? Oui, bien sûr. Oh là là. Vous êtes ici dans les fontaines de viande d'Alma, au centre de la zone 1. Les fontaines de viande. Des fontaines de viande. Il plonge dans la viande. Ici, la viande coule à flot, remplissant à l'infini ces immenses bagues de métal dans lesquelles nous nous trouvons. C'est horrible, cette histoire. Notre travail consiste à mettre cette viande en bouteille avant que les fontaines ne débordent. C'est à force de regarder Superstore que t'as envie de dire Jonah. Peut-être, peut-être, ouais. La viande est ensuite envoyée à tout le monde, aussi bien dans la zone 1 que dans les autres zones. C'est un élément primordial, le premier des quatre éléments. Arrêtez de dire que c'est le premier! La viande, le plastique, la fumée et je sais plus, le métal. Parce que sans viande, les gens n'auraient rien à manger et ils se dévoreraient les uns les autres. Ce seigneur des dames a un bureau au centre des fontaines. Mais personne ne l'a jamais trouvé. Général, le seigneur des dames apparaît quand c'est nécessaire. En général. Et enfin voilà. Vous êtes qui? Je viens libérer le monde du malin. Ah bon? Alors, tu peux me libérer? Ok, je comprends pourquoi maintenant l'eau elle était rouge. C'était de la viande! Compétence! Métal! Bram! Au revoir. Je voulais attaquer l'autre! Fais-lui une accolade. C'est vrai qu'on a toujours pas fait ça. Bram! Bon, mais il est mort. Pas de poison pour lui. Pas de poison pour lui. Oh, j'ai 666 PV restants. Non! C'est gagné. Ça explique peut-être pourquoi l'eau est rouge. Tout à fait. Peut-être que ce serait bien maintenant. C'est terrible ce jeu. Hey, look, Gris, ça va la forme? Quelques crédits de trop? Welcome, come back anytime. Symbole téméraire. Donc ça, c'est celui que j'ai. Je vais pouvoir l'augmenter, super. Ok, aura de justice. Ok, il est équipé. Couleur de courroux. Ah! Pour en acheter deux, très bien. Lui il est équipé de 1, mais qui... Ouais, il peut pas, l'autre ne peut pas. Ah, par contre, sa batte elle augmente pas, d'accord, super. Ah bah super. Après j'ai 3025 crédits, je suis tellement riche, j'ai tellement tourné dans les mines, que c'est bon. Tac, je vais me mettre à niveau du coup, équipé. Élément, hop là on passe à 87, très bien. Spécial, je n'ai rien, ok. Symbole téméraire, on passe à 109, ok, très bien. J'ai rien entendu, c'est faux. Ouais, et puis lui, sa batte, elle peut pas s'améliorer là, ok. Je vais sauvegarder. Est-ce que j'ai besoin de revendre? Je pense pas. Alors, c'est fermé pour le moment, donc... Laissez-moi travailler! Ok, c'est parti pour l'attaque! Tac, compétence... Bram! Oh, ça fait si mal! Oh, par contre... Empoisonne-le! Allez! On leur a roulé dessus. Ils ont été purifiés si vite. Et pourtant, je n'ai jamais été malade. Point de récupération de pédalo. Rappelez le pédalo. Ouah, un pédalo! Trop bien! Alors attendez. Je vais d'abord voir ce qu'il y a là-bas.
Il n'y a absolument rien. D'accord, très bien. Super. Mais il y avait un énorme coffre là-bas. Je prends le pédalo. Et ouais. Oh non, je surfe dans la... Je surfe dans... dans la viande. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Des monstres de viande. Grand angle. Ce sont des trochanters, gros ghouls aquatiques au sourire radieux. Léger, faible pour le plastique. C'est terrible cette histoire. Waouh, calmez-vous. J'ai pas d'attaque de plastique. Au revoir. On va pas, vu qu'on est un niveau un petit peu avancé, je pense qu'on craint pas grand chose. Tu pédales dans la viande, profitez bien du sang. Le bruitage il est horrible. Oh, il rapporte plein d'XP par contre, ça c'est bien. Horrible bruit. Horrible. Je ne veux pas être incendié. Merde, je pensais qu'on aurait... Hey, vous faites mal. Non, il me vole mes PC encore. Meurs. Je supporte pas qu'on vole mes PC. Oh, je l'ai explosé si vite lui par contre. Alpha niveau 7. Salut Elandre, merci beaucoup d'être passé. Lui aussi il fait pouet-pouet, regardez, pouet-pouet, pouet de pouet, pouet de pouet, et pouf, il a disparu. Ok. Point de récupération de pédalo, rappelez le pédalo. Ok, le pédalo va se... Ah oui d'accord, non, le pédalo il... Ok. Je pensais qu'il allait avoir un point d'exclamation. Tourning. Je ne veux pas être un fantôme. Oh, coup de batte. Ils ne me voleront pas mes PC. Ils m'ont volé mes PC. Ça dégoûte. Ils ont été purifiés, mais ils m'ont volé mes PC. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ok, donc là, on l'a téléporté ici. Ouais, bah c'était vachement utile de le faire ici. Ah, attendez, il n'y avait pas des... Ah, merde, il y avait certainement un truc. Il y avait des... Je me suis dit, en plus, il y a des chiffres, je les vois, et je sais pas à quoi ça correspond. Alors, il y avait quoi? 4, 2... 3, 8, 2, 9, 1, 4. Dans quel ordre ça se fait par contre? Au moins du furieux. Bam! Oh, 119! Ok, dans quel ordre ça va se faire? Donc 1, 4, 2, 9, 3, 8, 4, 2. 1, 4, 2, 9, 3, 8, 4, 2. Ah merci. Alors on a dit... Ok, donc non, ça se lit dans l'autre sens. 4, 2, quoi? 4, 2. Tu as décidé à ne rien noter, donc bon. Ah bah écoute, je profite du fait que je suis en live pour ne rien avoir à noter.
Et puis faire travailler sa mémoire, c'est bien aussi, hein. Alors pourquoi lui qui s'active, donc ça ce serait le 4. Donc c'est pas 4-2, alors à moins que ce soit inversé. 4. Ok, donc ça c'est 4-1. Ah ouais d'accord, tout est inversé. 4-1. Bah non. Alors attendez, lequel j'ai activé là ? 4, 1, le 9 il serait là-bas. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, c'est un. C'est fort cette manie de chercher loin les ennemis simples. Ouais, je sais pas, je sais pas compter en fait, je crois aujourd'hui. Parce que là, ce serait 4 et 9. Mais j'en ai. Mais ça correspond à rien, 4-9, dans la suite logique là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 9, et du coup, faut en prendre un trou. 4, 9. Oh putain. 8. 2. 4. Quoi, merde. 4. 9, 8. 2. Donc 4, 9, 8, 2. Non. Je pense que j'ai compris. Bah j'avais commencé à comprendre et puis après non. 4, 9, 8, 2. Oh, le bruit il est horrible. Le bruit n'aime pas du tout. 4, 9, 8, 2. Et j'ai tenté le 1, ça a pas marché. Ça marche pas. 4, 9, 8, 2. Je voyais que ça faisait 1, 2, 3, 4 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Je verrai plus tard parce que là je comprends pas la fin. Ça viendra peut-être un moment, peut-être qu'à un moment je comprendrai la logique des choses ici et que c'est mieux. Nous ne sommes plus assez productifs. Bah t'inquiète monsieur, moi j'ai plus de cerveau. Le chat il en peut plus. Il est JPP de moi le chat. Je vais soigner peut-être un petit peu quand même. Un petit peu, ça peut être pas mal. Voilà, bah en fait je l'ai soigné, ça servit à rien. Super. Du poison pour vous. Pour toi. Au revoir. Il m'a pas volé mes PC cette fois. On est un petit peu cher. Ils ont été purifiés. Purifiés. Ah, si je ne travaille pas, qui va le faire? Oh, il y a des numéros encore. 5, 6. Oui, j'attaque. Eh
Il a résisté, c'est pas vrai. Meurs. Ok, il me manquait juste 5-6. Alors c'est lesquels du coup il faut que j'aille juste... Bah du coup j'avais déjà cliqué sur le 5, donc ça doit être 6 puis après 5. J'ai pas trop besoin d'aller vérifier. Et vous savez, je vais tester. J'aime tester. J'aime tester dans le vide et ne rien comprendre. Donc c'était 4, 9, 8, 2, 6, 5. Ça n'a pas marché. Quoi ? 9, 8. 2, 6, 5. Le 9 il est encore Oh non, il faut le refaire derrière. Pourquoi il brille encore lui? Oh no. Ils ont encore en manqué, mais c'est terrible. Bon, bah on reviendra encore une fois. Hein. Donc 4. Je vais le noter parce que sinon après je vais me faire taper sur les doigts. 4, 9, 8, 2, 6, 5. Et la suite au prochain épisode. Brown. Je suis un tyran, ça y est. Non, j'ai pas dit ça. C'est juste pour pas passer trop de temps dans la viande. Ils ont été purifiés. Let's go. Je pense qu'à un moment, je vais avoir beaucoup trop de... Ah ah, cher argenté. Bah ouais, évidemment. Ah bah je suis revenu ici, d'accord. Bah j'ai fait tout le tour. C'est juste pour pas passer trop de temps dans la viande. Meilleure phrase hors contexte. Oui. Oui. Tu... 1, 2, 3, 4, 5. Je cherche s'il y a pas des... Je cherche des logiques où il y en a pas. Le mec qui se met à compter des trucs et autres. Oui, en plus il me faut absolument, bah, il faut absolument que je fasse pour ouvrir la porte. Alors, on refait. Certainement quelque chose que j'ai raté. 4, 9, 8, 2, très bien. Ah, il se téléporte forcément là. Je peux pas aller là-bas, ni tout là-bas. J'ai envie de me dire qu'il faut recliquer sur le 9, je sais pas pourquoi, parce qu'il brille encore. Regardez, attention! Ah, donc ça c'était bon. Donc derrière il y a un 9. Derrière il y a un 9. Maintenant j'ai plus que 3 possibilités. Du coup, je tente le 3, raté. 4, 8, 2, 6, 5, 9, 7. Bon bah du coup, évidemment, la quatrième... Ouais. C'est, moi je suis... Je casse les jeux comme ça. Hein. Quoi? Ah, il fallait juste appuyer alors. Oh non. Donc c'était bon. J'avais trouvé la solution, c'était un 9. Je sais pas pourquoi c'était un 9, mais c'était un 9. 2, 6, 5. Et oui, il fallait juste appuyer là-dessus.
Let's go, c'était gagné. Let's go, c'est gagné. Est-ce qu'il y avait, c'est parce qu'il y avait 9 petits trucs. Je ne saurais jamais. Let's go, la redescend dans la viande. Les rivières de viande. Et boum. Home run. Aïe. Aïe. Et boum. Ah. Il a survécu. Bien joué. Bien joué à lui. Il a pas survécu. Bien. Mal joué à lui. Oh, il aurait pu faire un 116. Bien joué. Bien joué. C'est purifié. Bah dis donc, on en a purifié des choses hein, depuis le début. Oh là là, 3. Il est tellement bien joué à nous. La viande, c'est terminé. J'en ai combien des objets? J'utilise tellement pas d'objets, c'est terrible. Ça, c'est ça, vous savez quoi? Ça, c'est mon gros défaut dans les RPG. Voilà. Dans les RPG, je collectionne les objets. Et je les utilise jamais. Oh non, il y a encore de la viande. Oh! Oh! Hey, je vous souhaite la bonne journée, cher omniprésent camarade. Vous aurez bientôt pu admirer tous les paysages pommes et outre-mer de cette zone. Vous semblez désemparé par la singulière architecture de ce lieu. Si tel est bien le cas, vous devriez apprendre à vous concentrer. Afin de ne plus vous fourvoyer dans le choix d'opportunités qui vous est proposé à chaque angle de ce dédale. La prochaine fois, tardez-vous donc à gamberger un peu plus longtemps avant de franchir une de ces portes piégées. Je ne bois sans soif. D'accord, donc il y a des symboles qui me permettent de... Ok. En fait, j'ai été surpris parce que j'avais pas compris que j'avais changé de zone. Donc il faut que j'observe. Non, donc apparemment, je réapparais ici. Ok. Ah! Oh, c'est trop malin! C'était trop malin! C'était trop malin, ça y est, j'ai compris! Il m'a traité d'alcoolique? Oui, bah ça, après, il a raison, je suis français. Papa, 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 grand angle! Ce sont des arpagons, boules de quadrupèdes à la laine chargée. Ah bah elles aussi apparemment elles sont alcooliques. Attaquer. Au revoir. Même pas mal, je suis trop fort pour la zone. Au revoir. Oh, c'est dommage, on est passé à ça dans 116. Au revoir. Il rappelle pas beaucoup de points de, par contre. Save base 2 a été... Oh yes. Oh yes. Restore beaucoup de PV. Let's go. Ça restaure beaucoup de PV. Regardez. Quand je m'approche ici, la musique elle augmente. Là ça augmente. Ah. Bon là la musique a augmenté mais ça triche. Je vais vous utiliser ma compétence spéciale élément de métal. Bram. Ça dégage. Bram. Ça dégage. Ils ont été purifiés. Non, je voulais pas passer. C'était là. Je suis allé un tout petit peu trop loin parce qu'il a, il a tendance à être trop vif, le batteur. Au revoir. Pas cette attaque. Ok. C'est là. Ah, j'étais pas sûr que c'était vers la porte. Ouh, en un coup, let's go.
ça dégage. Très bien. Ils ont été purifiés. Par contre, la musique, elle est où, là? Non! Ok. Ah, on peut avoir en bas? Ouais, ok. C'est difficile, je veux pas accélérer comme un ouf, mais ils vont me voler encore mes PC. Cassez-vous, engeance du démon. Et mes PC, bordel, pas assez rapide. Mes points de vie, c'est pas grave. Je peux me soigner, mais mes PC, faut que je mange des trucs. Et bah décidément. J'ai envie d'utiliser une compétence. J'ai envie de tester ça. Y'a pas des attaques de zone? Boum! Ça dégage. Compétence. Tiens, je vais tester parce que je vois qu'il a perdu de la vie, notre ami. Allez, toute sa vie, let's go! Que mes compétences, elles soient utiles un petit peu. Boum! Oh, 100 crédits d'un coup! Bien joué! Ok. Oh, c'est long quand même! Ok, on est sorti! Un joker a été trouvé! Point de vie et point de compétence. Non, je vais juste sauvegarder. Ok, est-ce que ça va être le premier combat de boss? On va se battre contre Dedan. Voilà, beaucoup d'escaliers. Êtes-vous certain de vouloir passer cette porte? Oui! Toi! Par les mille visages de la reine, es-tu donc fou ou complètement idiot? Qu'est-ce qui n'était pas clair dans « Je vais te tuer »? Je suis là pour t'éliminer. Tu es cinglé! Je suis le gardien de la zone 1, elle n'est rien sans moi. Quelle maladie mentale t'octroie la foi aveugle qui cache à tes yeux l'évidence même? Je suis celui qui va purifier le monde. Et tu es la peste qui ronge cet endroit. Prépare-toi. Waouh! Tu vas goûter à la douleur, esprit malade. Je vais tailler ton visage pour en retirer cet insupportable sourire. Ok. Let's go! Déjà, on va l'analyser. J'analyse. Dedan, gardien royal de la zone, on ne connaît ni ses PV ni ses PC. Premier boss, let's go! Let's go! compétence. Poison! Évidemment, le poison. Trotteuse. Qu'est-ce que donc? Oh, ça fait mal, ça fait mal. Compétence. On va tout utiliser. Bram! 249! Let's go! Et je vais te faire un home run furieux. Ah non, il y en a un qui dort! Réveille-toi, petit! Objet. Est-ce que j'ai quelque chose pour réveiller toutes les altérations négatives sur Alpha? Ok, il est réveillé. Let's go! Ça va, il fait pas trop trop mal. Du poison! J'hésite à soigner. Je me rends pas compte. Ouais, comme je sais pas du tout quelle vie il a. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Du poison! Je vais mettre du poison. Attaque spéciale.
107. Je vais retirer déjà tellement de vie. On est déjà dans les 1000 et quelques là. Oh, j'avais pas vu, merde. Faut absolument que je soigne notre ami. Compétence. Hop là, let's go. Ah, il attaque des mille trucs, j'ai pas eu le temps de lire. Ça fait tellement plaisir de retrouver ces musiques dans leur contexte, ça le pied. Yay. Ouais. Le swing. Putain, mais il a combien de vie? C'est vrai que j'utilise beaucoup là les points de compétence, il faut peut-être que je me calme un peu. Oh oui, je lui ai fait un critique. Il y a eu un critique qui est, il y a un critique qui est parti. Ok, les points de vie ça va pour le moment. Les points de vie ça va pour le moment. On fait moins de dégâts là, ça se sent. Ça soigne un moment notre ami. Il a tellement de points de vie. C'est hallucinant. Meurs, saleté! Oh, le critique qui est passé! Allez, allez, là on peut le faire. Je sais toujours pas combien il a de vie, mais on est let's go. Je vais retirer au moins 15 000 points de vie là. Ah, c'est gagné. Le premier boss est tombé, let's go. Ah bah il reste la bulle. C'est vrai que les bulles on peut les attaquer, j'avais complètement zappé. Mais ils ont été purifiés. 3000 points d'expérience, 600 crédits. Carte du cancer récoltée, alpha niveau 8 atteint. C'est une plaisanterie. J'ai perdu. Perdu. Tu es vaincu, Dedan, gardien de la première zone. Cet endroit est pur désormais. Oui! Ça commence pas bien. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Ok, donc la zone 1, c'est terminé. Entrez dans la zone 2. Let's go! Oh, c'est rose! J'aime bien la musique ici. Sympa le petit air. Zone 2. Centre, bibliothèque ou place basse. D'accord, ça c'est la place basse. Et là je me dirige vers la bibliothèque. C'est marqué en grand, bien joué. Ah d'accord. Deux fois vers le haut, ah oui d'accord.
Ah, je pensais qu'il y avait un code en fait. C'est... Je tourne autour là. Ah oui, d'accord. Ok. Je me disais qu'il y avait, il y avait des problèmes en même temps. Alors je viens d'où? Ok, d'accord, je fais n'importe quoi. Super, super. Là, c'est là d'où je viens. Oui, très bien. Oui, il ne faudrait plus prêter de livres à cet homme. Il déchire des pages, c'est presque dangereux. Oui, je retourne en haut. Bonjour, bienvenue à la bibliothèque. Je dois vous signaler que l'étage supérieur est inaccessible pour cause de spectres. Il y a des fantômes dans ce bâtiment. Pourquoi? Je vais éliminer ces impurs. Détruire les spectres, mais... vous savez, vous pourriez vous faire mal, et il n'y a rien hein, là-haut. Des murs, des étagères, des escaliers, un vieux chat. Un chat? Je vais monter purifier l'étage. Ah bon, d'accord. Ne faites pas trop de bruit, alors. Et le troisième étage n'est pas vraiment accessible. Des gens déchirent des pages des livres. Alors je ne veux plus qu'on monte. Ça pourrait être dangereux. Je fais rien de mal. J'aime regarder le mur. Ok. C'est un grand bâtiment. J'aurais dû explorer... Ok, donc là, c'est une autre entrée de la bibliothèque. Ok. C'est pas facile de s'y retrouver dehors. Tout se ressemble. Je suis complètement d'accord. Non, il y a personne ici. Ok. Ok, je fais juste un tout petit tour de la bibliothèque. Je vais pas monter tout de suite. Je vais... alors du coup ici, on avait des trucs... on va parler aux gens. Moi j'ai pas peur. Je sais comment ne plus avoir peur. J'ai pas peur. Tu veux savoir? Si tu n'as pas peur de savoir, demande-moi. Bah, j'aurais aimé savoir. On peut pas aller au parc? Peut-être que c'est mieux comme ça. Il doit y avoir une bonne raison. Ok. Di-li-di-di. Le centre commercial est plein de spectres. C'est terriblement effrayant. Ah, le centre commercial aussi. D'accord. Buenos dias, cher Cricri. Quel meilleur lieu qu'un centre commercial pour faire ses emplettes. J'ai plein de thunes. Oh, on peut acheter des billets. La batte Masashi, je l'achète. Oh, il y a la batte Emmanuel aussi. J'achète tout. Non, pas autant. Symbole colérique. Après, il y en a beaucoup là. Si ça c'est cher, c'est que c'est bien. J'aime bien la logique. Aura de justice équipée. Aura... Ah bah voilà, l'aura de peur, c'est pour arrêter d'avoir peur. J'en prendrai deux. Let's go les achats. Couleur de peine. Couleur de tristesse. On peut les mettre, ok, d'accord. Et je peux acheter un œil. Quoi? Quoi? Je peux acheter un œil. Bah, je vais en acheter. Oh, j'ai la thune, en toute façon. Hop là. Tac, tac, tac. Améliorons donc nos personnages. Équipés. Alors, offensif, du coup, la batte... Soit la batte Masashi. Ouais, donc la batte Emmanuel, vachement plus puissante. D'accord. L'aura de peur. Ça remplace l'aura de justice. Et ça change absolument rien, là. C'est terrible. Alors que ça, ça augmente ma défense. ...95 pour la couleur de peine et 97 pour la couleur de tristesse. D'accord, donc en fait, j'ai acheté des trucs qui me sont pas forcément utiles parce que là, bah du coup, autant mettre directement... Et j'ai rien, et j'ai toujours rien en spécial, ok. On passe à 135 quand même. Beaucoup mieux. Donc l'aura de peur. Ah mais du coup ça nous permet de plus avoir peur. Ah oui c'est vrai, donc peut-être que c'est important de regarder. Ouais.
3. Ok. Je lui rajouter son aura de peur. Hop là, j'ai plus jamais peur. Ok. Je vais peut-être revendre des trucs quand même. Vendre. En fait, pour rendre à César ce qui nous fait danser les musiques, c'est alias Conrad Colwood. C'est ce qu'il disait justement au début du jeu. Mais c'est bien de le rappeler. Ouais, parce que je commence à avoir beaucoup de choses, donc peut-être revendre quelques trucs. Hein. Je vais vendre ça. C'est 20 crédits, super. Il y a un symbole de... Ah merde, c'est vrai que lui... c'est quoi le symbole? Ah oui, non mais le symbole... Non mais c'est bon, c'est un vieux truc ça. Je récupère un peu d'argent. Ça, c'était mon ancienne armure. La même. Ok, je vais garder mes auras et mes couleurs de peine et tout ça. On verra plus tard. Ok. On peut sauvegarder comme ça. Oui, sauvegarder. Mais c'est fermé pour le moment. Mm-hmm. En tout cas, on a trouvé le shop. Raté. Et donc... Ah, mais je me trompe dans... Vous habitez Bismarck? C'est étrange, vous ne portez pas de cravate. Ok. Il y a des barrières pour éviter que l'on tombe dans le plastique. En plus, elles sont en caoutchouc pour ne pas se blesser. C'est bien. Le quartier résidentiel est réservé à ses habitants. Imagine un instant la panique si des intrus se faufilaient dans nos maisons. Ok. Il est quand même très très étrange ce jeu. Très très étrange. Je préfère les faux livres, on ne risque pas de les abîmer. Ne tournez pas les pages, ça fait trop de bruit. D'accord. Le titre de ces livres est illisible. Lire. Orchis, fleurs. Oh, d'accord, je. Donc, ok. Le livre s'appelle Contes et légendes. Lire. L'histoire du roi crapaud. Il y a bien longtemps vivait un mauvais roi au visage immonde, si bien qu'on l'appelait le roi crapaud. Un beau jour, un homme masqué se présenta à la cour du souverain et lui dit ceci : Bonjour, vilain monarque. « Va-t'en et laisse ton peuple en paix, sinon tu goûteras de mon glaive. » Le roi lui répondit « Je suis le roi et vous êtes mes sujets. Vous n'avez pas à vous opposer à ma volonté. » Alors l'homme masqué prit son épée et tua le roi. Fin. Très belle histoire. Ce livre s'appelle Bismarck. Et lire. Ah ben on lit pas grand-chose. Hein. « Car après cela, la nommation de trois gardiens chargés de s'occuper des zones, l'oiseau de feu fut désigné comme seigneur de la deuxième zone, la ville éternelle de Bismarck. Il était le plus... » Ok. Ce livre s'appelle Les Enfants Verts. Ouah, j'arrive pas à lire. Oh, ça me fait mal aux yeux. Et grouillant dans le ventre du monde, les 107 000 enfants... ça... Ouah... Non, ça me tue les yeux. Je peux pas lire ça. Oui, non, on lui avait parlé. Celui s'appelle Explication. Index, introduction, la création du monde moderne, les gardiens, la reine et son fils, les quatre zones, la zone 0, le roi crapaud et le marchand, annexe glossaire, note de l'auteur. Écrit de S. Prenez garde, madame, vous commencez au grossir et grossir, c'est vieillir en suivant la méthode d'Alcroz qui a introduit le sport dans le solfège, vous conserverez toute votre sveltesse. Trois sonates de détermine un amaigrissement progressif très sensible et six fugues de sur les cellules adipeuses, une action foudroyante. On peut encore accélérer les effets du traitement en l'exécutant sur c'est ok. Il y a plein de numéros par contre, ouais, c'est alors il y a des numéros de pages et là c'est à l'envers et il n'est pas nécessaire de connaître le nom des points cardinaux dans la forteresse rose, car
De grandes flèches indiquent les directions sur les murs de la bibliothèque. Si contre les quatre symboles et leurs points cardinaux. Donc alors du coup faut tout inverser, c'était flèche vers le bas c'est le sud, flèche à droite c'est l'est, flèche à gauche c'est l'ouest, et les deux flèches vers le haut c'était le nord. Bien joué. Quel que soit le sens dans lequel je tiens le livre, il est à l'envers. Ah, incroyable! C'est génial, ça! Oh, c'est très rigolo. Il y a un livre avec une page déchirée. Regardez le livre. C'est l'histoire de trois gardiens nommés par la reine pour régner sur les zones îlots de vie dans le néant du monde. Le deuxième était généreux. Nanana. Ok. Ils sont très mal entretenus, hein, ces bouquins. Il n'y a pas à dire. Les bibliothèques, ils n'ont pas reçu leur financement, c'est sûr. Il y a un livre avec une page déchirée. Oui. Oh, il y a un cœur. Il y a un as de cœur. Un as de pique. Putain, c'était un pique. Il y a une page sur le mur. Là, regardez. Ok, 3 de trèfle. Je vais la prendre. Oh, du coup, j'ai pas fait gaffe. C'était quoi, lui? On va forcément me poser des questions sur ça. C'est le 4 de carreau. Ah ! Je prends la page. Ah, ça faisait longtemps. Oh là ! Les fantômes inversés ! Attendez, on va faire un grand angle. Qui êtes-vous? Spectre renversé. Oh bah j'y étais presque, hein. Incarnation ectoplasmique à l'envers. Résiste un peu à la fumée. J'ai pas d'attaque de fumée. Ouh, ouais, ça fait mal. Ouh, ils sont résistants. Vous êtes résistants, mais je suis le meilleur. Vous me connaissez pas, je suis le batteur. Allez, ça dégage. Billet de chance récolté. D'accord, donc on va explorer quand même un peu. Ta. Ici, il y a quoi? Il y a un livre avec une page déchirée, regardez. Donc c'est le 2. L'histoire de trois gardiens nommés par la reine. Le premier, Dédan, était grand et colérique. Sa force de caractère et son physique d'acier, lui, le deuxième. Ok, alors il y a des... Ouais. Oh! Il y a de fausses étagères, il y a un socle clair sous les vrais. Oui. Il y a une page, là regardez. 1, 3. Le 5 de. 5 de carreau. Il faut que du coup je les remette. Ah. Et moi c'était quoi que j'avais trouvé? La reine de pique, ok. Je vais poser la page et je vais regarder. Ok, c'était le 3 de trèfle. Donc il faut que je remette, j'imagine, aux bons emplacements. Donc je prends la page, il faut que je trouve, du coup, le trèfle. C'était là. Non, ça c'est pique. Bah j'ai pas vu trèfle, si. Ça c'est carreau. Ils sont là! Métal! Blam! Et ils font super mal par contre. Allez, tape-le! On peut aller au-delà de 99 billets, vous pensez? Peut-être que oui. Ah, voilà. C'est là qu'il faut poser. Poser la page. Donc là, on est bien. Ouais. Ok, on est bien. Ensuite, la regarder, elle, c'est pique. Je sais où c'est. La prendre. Pique, c'était ici. Je crois. Regardez,
Pic pic. Ok. Donc ça c'est bon. Il y en a. Oh, il a résisté. Bien joué. Aïe, aïe. Putain, il est ultra résistant, lui. Okay, compétence. Lui, il était vachement moins résistant. Bien joué. Il y avait une autre page ici, du coup, tac, la prendre, et donc, bah, très certainement, c'était là. Poser la page, et regarder le livre. Bien joué! Impossible de passer. Quoi? Après, là, je l'ai fait. Ah, mais oui, il y a celui-là. J'ai pas fait le cœur. J'ai pas fait le cœur. Bien joué, bien joué. J'adore ce bruitage. Quand il disparaît, ça me fait trop rire. Enfin, le bruit me fait rire. Le bruit de purification me fait rire. Je viens de passer niveau 9. Bien joué, bien joué, bien joué. Ok, c'est ça. Donc, il me manque une affiche que je n'ai pas vue. Alors, j'ai très mal regardé, encore une fois, très certainement. Pas d'affiche ici. Pas d'affiche par là. Bah. Elle est peut-être pas ici, l'affiche. Elle est peut-être ailleurs. Je l'ai peut-être raté, l'affiche. Bien joué lui, bien joué le fantôme renversé, c'est perdu. Ok. Non, il est peut-être ailleurs. Je vais aller vérifier ailleurs. Est-ce qu'elle serait un autre étage? Il l'aurait caché intentionnellement à un autre étage. Non. Est-ce qu'il l'aurait caché dans le couloir? Est-ce que je me prends encore une fois trop la tête? Ce sont des fausses étagères, super. Nope, nope, nope. 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 Ok. Bah, j'ai vérifié au cas où. Donc, ça veut dire que c'était. Bah, c'était à l'étage et que je l'ai raté. Ça, c'est quoi? Ah ah, il y avait un joker. Je peux utiliser un joker pour. Je mets un joker à la place. Un symbole colérique a été trouvé. Objet. Ah non, c'est. Oui, c'est dans équipé ça. Oui, c'est ça. Équipement offensif pour les add-ons. Oui, non, mais ça a fait baisser. Ouais, mais c'est pas ouf. Ce n'est pas ouf! Donc il me manque... C'est le cas qui me manque? C'est lui? Il me manque lui. Très bien. Mais il va falloir que j'aille explorer un peu parce que du coup je vois pas où il peut être. S'il est pas là, il doit être ailleurs. Et s'il est ailleurs, bah il faut y aller. Hein. Il était ultra résistant lui. Mourez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Faites-vous purifier quand même, hein. C'est important de se faire purifier. Bah non, pas là, 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 pas là.
vous tournez pas les pages, ça fait trop de bruit, d'accord. À moins que... Non, bah non, bah non. On peut juste lire... Ok, on peut juste lire ça et ça faisait mal à la tête. Enfin, il y avait des écritures qui faisaient mal aux yeux. Ok. Donc sud. Ça, c'était ouest. On peut pas accéder au parc, c'est vrai. Pas accéder au parc. Ici, nous sommes au nord. Il y avait le shop. Ah, il y a peut-être des affiches. Une publicité pour des coffres, ouais. Pour des bouteilles de fumée. Promotion spéciale à l'achat de 2 kg d'abats, le troisième est gratuit. Ok. Publicité pour les tables de métal. Publicité pour la viande crue. Ah, mais... Attendez, ils vendaient pas un... Non, ils vendaient un œil. C'est quoi l'œil? Je vais acheter un œil. Je veux savoir à quoi ça sert. Objet. Ah. C'est un truc à équiper? Bah... Oeil. Analyse écart. Ah d'accord, ok. Ok, d'accord. Oh oui, en même temps ça semble logique. La musique me met si mal à l'aise. Donc y a rien ici. Et là on est à l'est. Et c'était aussi fermé là-bas. Pour les habitations. Bien joué, bien joué. Oui, 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 c'était réservé. C'est vite de tomber dans le plastique. C'est étrange, je ne portais pas de cravate. Ok. Alors, où est-ce que ça peut être? Troisième est inaccessible, je ne veux pas qu'on abîme les livres. Il y a déjà quelqu'un qui déchire des pages, alors si en plus il y avait du désordre, quelqu'un pourrait m'en vouloir. Et si vous montez aux étages supérieurs, ne faites pas trop de bruit s'il vous plaît. Quelqu'un qui déchire des pages. Ben ça, oui. Alors j'ai peut-être raté un truc dans un livre. Il y a juste une page à chaque fois parce que je sais pas pourquoi ça clique. Oui, ça doit être ça. Il doit y avoir qu'une seule page d'accessible. Je peux pas tourner les pages. Ça, c'est à l'envers, oui. Je n'ai plus d'oxygène. J'avais pas lu celui-là, mais c'est horrible! Il n'y a pas de page de cœur ici. Bah alors j'ai raté quelque part. Faut que je revoie les trucs, mais normalement. Oui, 4, 5, 32, 33. Ça fonctionne. Bah, c'est terrible quand même. Elle est cachée où cette page? Après, il est à l'envers celui-là. Le pic, le as de pique. Après, le pic de la dame, il est aussi à l'envers. D'accord. Toujours la page 32-33, c'est rigolo ça. C'est le même livre mais avec différents trucs. Oh, me dis pas qu'en plus il y a, si j'ai la réponse avec les différents. Il faut lire tous les bouquins pour avoir le. Je viens peut-être de capter mais. Il faut noter des trucs encore! Aïe. P-
Parce que là, sur celui-ci, le texte, il apparaissait vachement mieux, j'ai l'impression. C'est l'histoire de trois gardiens nommés par la reine pour régner sur les zones. Îlot de vie dans le néant, le premier des Dan était grand et colérique. Sa force de caractère et son physique d'acier lui permettaient... sur une zone, un... Après, il y a une sorte de trait... Une sorte de trait, c'est bizarre. Et si je prends l'autre livre, ça va compléter. Oh là là. Oh non, me dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Ça va. Après, c'est juste de la lecture, mais si tu veux tout lire, il faut noter par rapport aux 4 livres. Oh no. Non, raté, je voulais aller là. Et mais par contre, j'ai pas trouvé la page du cœur. La page de cœur est demandée. Ça fait trop longtemps. Non, mais y a pas de souci, Gao. J'essaie de comprendre, voir si j'ai pas oublié quelque chose. Genre sur les murs cachés. Non, on l'aurait pas caché comme ça. Parce qu'en fait, elles étaient très visibles et d'un coup, il en manque une. Donc, ce que je me dis, c'est qu'elle est absolument pas présente ici. Elle doit pas être présente ici. Mais du coup, je vois pas trop quoi faire parce que sur les autres trucs, je suis aussi bloqué. Je vais refaire un tour au village. Aux alentours. Oh, il a fait 179! Bien joué le coup critique! Bâtiment, oui, c'est un grand bâtiment. C'est une fausse étape. Ou alors c'est parce que j'avais à peine commencé la zone 2 dans ma fanfic que j'avais beaucoup plus potassé la zone 1, c'est pas improbable. Mais ici il y a absolument rien. La page m'a appris, je n'ai plus peur maintenant. Tu ne veux plus jamais avoir peur? Donne-moi 100 crédits. Ah, mais c'est lui qui a la page! Enfoiré, il avait la page, c'est forcément le cœur. C'est comme ça, moi je pensais que c'est parce que j'avais acheté du truc qui faisait pas peur. Mais en fait, c'est lui qui l'avait, enfoiré! Cœur. Ouais, et du coup si je pose... Mais non! Mais... Ah ah! Tada! Maintenant, ouvre! Je devrais peut-être en parler à l'accueil. Ah. À l'accueil. J'ai complété les pages déchirées. J'ai mis de l'ordre dans les livres. Ah bon. C'est bien. Je vais vous laisser monter en haut alors. C'est super. Le troisième étage est accessible. Mais seulement pour vous. Merci. Les personnes peuvent avoir plusieurs répliques. Ouais, ça m'a étonné justement. C'est pour ça que je me suis dit, si elle est pas là, elle est forcément ailleurs. Il faut que j'aille parler aux gens. Je sauvegarde, je récupère mes PC et mes PV et je continue le chemin. Oh tiens, je vous connais, vous. Ah non. Et qui es-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'es pas le juge. Le juge? Non. Non, je m'appelle pas comme ça. Je m'appelle Japheth. Je suis le créateur de cette ville.
Je suis aussi l'être qui dirige les fantômes, instruments royaux de ma vengeance. Tu es le chef des spectres ? Précisément, ils sont mes bras envoyés par la raid pour établir la justice en cette zone. Tu as été bien fougueux d'emprunter les marges de cette bibliothèque. Je reconnais en toi un certain courage, qualité exceptionnelle en ce lieu pétri de peur. Mais ma vengeance n'est point à laisser d'impuni. Tu seras donc le premier à succomber sous les souffles de mon armée ectoplastique. Point n'est encore besoin des spectres pour t'éliminer, ridicule pantin aux culottes de sport. Je vais enfin goûter au juste retour des choses. Ok, bah allez, let's go, c'est parti. Hein. C'est parti, la baston contre un chat. Compétence, grand angle. Japhet, gardien royal de la zone 2. Ah d'accord, ah c'est un deuxième boss. On sait pas. Poison. Parti pour la baston, let's go! Si ton âme est valeureuse, ton bras est à son image. Je dois avouer que j'étais peut-être sous-estimé. Malheureusement pour toi, je renierai mes talents de gentleman s'il le faut pour être le nouveau Némésis. Spectre, venez à moi, dansons ensemble et faisons résonner le chant des justes. Que le tourment des hommes répare la plaie qui m'a été faite et que vos corps immatériels dévorent leurs âmes pour l'éternité. Fantôme, venez à moi, je vous l'ordonne! Malédiction! Par quel sortilège humain de malheur réussis-tu à empêcher mes ectoplasmiques acolytes de me rejoindre? Et qu'importe, tu vas goûter à ma colère. Aou! Aou! Ça fait super mal! J'aurais peut-être dû me soigner. Potentiellement, j'aurais dû me soigner. C'est pas une mauvaise idée de se soigner, genre, hop là, comme ça. Oh, mais il est mort. Il a été purifié. Eh ben, let's go. Pauvre comique. Il n'est pas encore temps pour moi de révéler ma vraie nature. Mais sache que tu ne perds rien pour attendre, insupportable bouffon. Oh! La donne Omega vous a rejoint. Let's go. Let's go, Omega, niveau 9. Nous avons un nouvel équipier dans tout ceci. Hop là, symbole colérique, défense 86. Ok, là, y a rien. Oh merde, j'ai retiré. Et j'ai bien fait d'en garder finalement. J'ai eu du pif. Du coup, nous avons l'alpha et l'oméga. Bien joué à nous. Ah, c'est fermé. Cet obstacle m'empêche de monter à l'étage. Je crois qu'il m'est impossible de monter plus haut pour l'instant. Ok. Bon, du coup, on a trouvé l'alpha et l'oméga. Je vais retourner à l'accueil pour dire que j'ai tué le spectre. Ça va? Vous ne vous avez pas fait mal là-haut? J'ai vu un chat, il attend devant l'entrée sud. Entrée sud. Ah bah là, je connais ce chat. Hey, salutations, cher immaculé camarade. Votre périple se déroule-t-il dans d'optimales conditions? Ces lieux sont moins humides que les précédents, je dois avouer que j'en suis fort aise. La gente féline n'est pas très amateur de pluie. J'ai ouï dire par un vieil ami que les galeries marchandes au nord de cette cité seraient la proie des assauts ectoplasmiques. Peut-être serait-il judicieux de vous y rendre et d'éclairer l'endroit de votre lumière purificatrice. Ok, c'était au nord Je crois, si je me souviens bien. C'était ça. Allez, let's go, on y va. Bonjour, je viens tout casser. Pardon, tout purifier. Oh là, mais c'est quoi ce dédale encore? Oh, attendez. Il y a un autre chemin ici, il mène où? Oh là là, le bordel. Deux billets de chance ont été trouvés. Let's go la chance! Si tu regardes le statut de chaque perso, ils ont des classes, je crois. Ah, ok, d'accord. Il faudrait que je regarde. C'est vrai que je ne savais pas trop à quoi correspondent les statuts, donc j'ai pas trop cliqué dessus. Grand angle. Massu, boule au chakra fulminant. Léger faible pour la fumée. Ah, il faut que je regarde l'oméga. Compétence. Perspective inversée. Soigne cécité et mutisme.
perspective exagérée, soins de poison et sommeil, flou optimisé, attaque d'impact aléatoire. Ah oui, c'est quand même puissant. Ok, c'était puissant. J'ai tellement de billets de chance. Statut. Ah mais si, j'avais vu ça. Le batteur, classe sauveur. Oui, grade purificateur, statut pur. Statut pur. Alpha. Alpha, classe pair, grade add-on, statut pur. Et du coup... Oméga, fils. Oh, c'est rigolo. Les classes, elles sont drôles. On a sauveur, père, fils. Ouais. Je suis passé à côté de coffre, hein, vous savez. Je suis perdu dans ce dédale. Oh, il y en a une qui sourit. Une souris qui sourit. Enfin, un rat dégueulasse, là, qui... On se comprend. Alors, c'est quoi? Gilles de Rais. Gilles de Rais. Boule très banale, finalement. Ok, il y a une boule très banale. Et bah, très content de la prendre. Si elle est très banale, on va lui péter la gueule. Boum là. Ça dégage. Allez, boum. Pas de coffre ici, oh là là, vous savez, moi je suis perdu déjà là dans le dédale. Une porte. Yes. Me dis pas que j'ai pris le bon chemin direct. Ce serait fou, ce serait dingue. Non. Je vais errer indéfiniment là-dedans, c'est sûr et certain. Je vais errer à l'infini. Je vais peut-être essayer auto pour voir, parce qu'on m'a dit, certes, il n'y a pas de soins, tout ça, mais... Errer à l'infini, c'est sympathique comme tout. Sympathique comme tout. S'amuse comme des petits fous. Je trouve une porte. Bien joué, je crois que j'étais déjà passé par là. Passé par là, je tourne en rond, c'est sympa. Je sais pas où je vais. Est-ce que tu comptes errer suffisamment longtemps pour que je réchauffe un truc au micro-ondes? Ouais, je peux. Je peux tenter, Gao. Je peux tenter. Un billet de fortune trouvé. Bien joué. Ah. C'est fermé ici. Oula. Je suis revenu, Ah d'accord, je suis complètement sorti. Et salut Chocobo! Tu peux même réchauffer mon petit cœur. Alors du... Ah attendez, il y a une affiche ici. C'est une publicité pour de la viande manipulée avec précaution par les employés des zones 1. Notre viande est garantie sans conservateur. Yes. Comment ça va Chocobo? On est sur off aujourd'hui pour la semaine de l'horreur. C'est très particulier comme jeu, mais bah j'aime bien. J'aime beaucoup. Même si je comprends pas tout, j'aime beaucoup. Une porte. Et hop, c'est parti. Je vais descendre, je tourne par là. Je remonte, je vais à droite. Ah! Auto. Allez, je laisse faire. Boum! Ils sont meilleurs que moi, surtout que moi. Allez, boum! Voilà, bah ça va vachement plus vite! Moi ça va très bien! Je suis reine mort de ma journée, je vais pas tarder à décéder sur mon canapé. Eh ben écoute, installe-toi confortablement sur ce live avant de t'endormir. Moi ça va très bien. On est sur la semaine de l'horreur et on découvre plein de jeux très très chouettes. Donc ça fait trop plaisir en vrai.
Par contre, au secours, je suis perdu. Je suis perdu. Waouh ! Un cachalot ! Je veux savoir comment il s'appelle. Comment vous appelez ? Baleine. C'est donc c'est vraiment... Ok, d'accord. C'est vraiment... Ok. Ok, bah super. Vous pouvez mourir, s'il vous plaît. Il a été purifié. Ok. Bien joué, bien joué, bien joué. Par contre, je suis complètement perdu. Hein. Je fais de la ligne droite. Nouvelle porte. Nouvelle porte qui m'emmène à un autre endroit. Non mais je crois que je tourne en rond. Je tourne définitivement en rond, c'est pas possible. Réduction sur les bouteilles de fumée, 7 pour le prix de 6. Comment je peux me repérer là-dedans? Porte. Voilà, je suis revenu encore en arrière, bordel. C'est une publicité pour les rambardes de protection de métal. D'accord. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors là, c'est un coup de sac. Là aussi. Donc forcément, obligé de passer par là. Comment je peux me repérer? Non mais ça ressemble à rien. C'est une publicité pour livraison de viande à domicile. Ok. Je crois que j'ai déjà été là. Oui, là j'ai déjà été. Là il y a quoi? Ok, c'est un cul-de-sac. Donc là j'ai pas le choix. C'est forcément ici. Très bien. J'adore errer comme ça dans... Bah je sais pas trop où d'ailleurs. Ok, donc il y avait un passage par là. Mais attends, mais il y a déjà une porte ici. Oh, il y a un chat. Je viens de voir passer un chat. Ils sont nombreux. Attaquez. Défoncez-les. Et c'est bien joué. 175. Waouh. Magique. Ah, j'avoue que là le mode auto fait plaisir. Ça permet comme ça je réfléchis en même temps. Enfin non, j'ai pas le temps de réfléchir, ça va trop vite. Ouais. Ouais. Là, il y a une porte. Comment je choisis la bonne porte? Là, il y a un coffre et je ne peux pas y accéder. Ça dégoûte. Heureux! C'est parti pour le combat! Incroyable! Tandis que l'Alpha et l'Oméga se préparent à attaquer, let's go! Le batteur prépare son home run! Et c'est une élimination! Quelques petits dégâts, ça va, ça va. Ok, ça dégage. 178, et commence à faire des gros critiques. Hein, les... Bon, il y a une porte ici, si j'y vais. Ah, une zone que je ne connais pas. Bonjour, je suis perdu. Je pourrais faire un peu un feu avec les caisses pour éloigner les fantômes. Mais c'est trop dangereux. Ok. Ok, super. Super. Donc c'est pas cette porte. Après il y avait une autre porte qui était... Bah c'est raté, mais il y a un coffre. Viande de Bélial a été trouvée. Super. Allez, let's go. Là, le cachalot. Il y a eu un 101 et un 136, mais let's go en fait. Il y a encore un chat ici. Alors, attendez, je tourne en rond là. Là, je tourne en rond. J'adore tourner en rond. Oh, il y a un coffre. Je trouve la chair, très bien. Trop fort, je savais même pas qu'il y avait des cachalots dans ce magasin.
c'est les fantômes de... C'est le fantôme de Little Big Whale. Il y a une porte. Ah ah! Hey, cette réclame n'était pas d'une efficacité défiant les lois élémentaires du marketing grand public? Pour un poil le plus soyeux, la pâtée des fontaines d'Alma. Ah tiens, vous savez dire? Quoi qu'il en soit, je suis content de vous trouver. Peut-être pourriez-vous m'aider à éclaircir le mystère auquel le destin m'a confronté. Il s'avère que mon frère vit en cette zone depuis de nombreuses années, ayant un attrait particulier pour les couleurs de gamme froide. Malheureusement, je n'arrive pas à croiser sa route. J'aurais bien tenté de me rendre à sa demeure, les toits de la bibliothèque centrale. Mais je n'y ai trouvé porte close, même après des longues heures de miaulements intensifs et répétés, et de grattements compulsifs. Ma requête est donc la suivante, si par le détour d'un corridor il vous arrive de croiser Valérie, remettez-lui donc mon bonjour. D'accord, donc Valérie. Valérie, très bien. Très très bien, il faut que... Oh! Point de récupération. Oh, le pédalo! Il y a un pédalo que je viens d'invoquer. Ah mais c'est ouvert la zone, d'accord. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Mais il est où le pédalo alors? Le pédalo... c'est pas là pour aller au parc? Alors c'est pas le parc ici. Oui... Non, je suis en train de partir au secours. À l'aide, je fais n'importe quoi. Ah, pédalo, let's go. J'ai tourné tout autour. Oula. Je suis où là? Qu'est-ce que donc? Un billet de fortune. J'ai éclaté un ballon. Yes. À partir d'ici, je n'attends plus que 74 minutes. À partir d'ici, je n'attends plus que 39 minutes. D'accord. Mais quel lieu terriblement angoissant. Heureusement qu'il n'y a pas de fantôme par ici. Peut-être que la pièce qui se trouve au-delà de cette porte va cesser d'exister au moment où je franchirai le seuil. Et je tomberai alors à l'infini dans un gouffre qui n'existe même pas vraiment. Quelle idée terriblement effrayante. Dans le doute, je vais rester là. Choisir entre trois attractions est un dilemme trop difficile pour moi. Je vais regarder. Ok. Mettre de l'eau à l'intérieur d'une pièce est vraiment une idée complètement folle. On voit bien qu'on est dans un parc. Ok. Bienvenue. C'est le jeu des ballons. Si vous gagnez, vous pouvez remporter un super prix. Mais si vous perdez, vous serez peut-être triste alors. Faites attention. Jouer au jeu des ballons? Oui. Eh d'accord, voici la règle, c'est facile. A chaque fois que c'est votre tour, vous pouvez choisir d'éclater un, deux ou trois ballons. Moi aussi. Celui qui fait exploser le dernier ballon a perdu. Vous avez compris? Oui. Eh d'accord, on est parti. C'est moi qui commence. C'est votre tour. Ah putain, il est... Oui, d'accord, ok. Bam, bam, bam. Retour de fête foraine. C'est mon tour. Ok, donc là... Oui. Ah merde, c'est perdu pour moi. C'est perdu pour moi. Bah ouais, vous avez perdu. C'est moi qui commence. Il a fait 1 cette fois. J'ai été trop gourmand sur le début. Il faut réfléchir. Ça me rappelle le jeu. Je sais pas si vous avez fait ça quand... Je faisais ça quand on était en... colonie de vacances. C'était le petit jeu des bâtons ou des allumettes. C'est exactement la même mais avec des ballons. 1, 2, 3. J'hésite à y aller brutalement en fait. Et il m'a encore bloqué l'enfoiré. Je suis nul à ce jeu. J'ai toujours été nul à ce jeu. Je sais pas compter et pourtant j'ai refait à 10 bouts. Merde, je suis allé trop vite. Allez, j'ai gagné, mais parce qu'il a fait exprès. J'ai perdu!
Non, c'est impossible, j'ai... Pourtant, je triche depuis le début. Vous avez triché. Vous voulez du mal. Ah ouais. Ah ouais. Oh, par contre, il est stylé. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est encore plus incendié que l'autre. Compétence, grand angle. Vous êtes qui? Incendie. Ah bah, c'est juste un incendie, mais il est différent. Habitant de Bismarck aux manières inconvenantes. Ah, c'est peut-être parce que c'est un habitant de Bismarck qui est différent. Eh bien, c'est parti, le combat! Allez, c'est gagné. Cravate récoltée. J'ai une cravate! Le Grand Prix était une cravate. Ils sont comme des dingues. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des mecs dans le parc, quelle panique! J'ai trop peur, bon sang, j'ai beaucoup trop peur! J'arrive pas à franchir ce mur, les spectres vont me manger! Ils sont tous pétés un câble. Reviens ici! Je savais pas qu'on aurait. Je savais qu'on allait être beaucoup trop dangereux, beaucoup trop! Du coup, je peux aller dans l'endroit qui est réservé. Qui est réservé aux ceux qui ont des cravates, parce que j'ai une cravate. Oh. Ils ont clairement besoin d'anxiolytiques dans le coin. Un petit peu, ouais. Ça les calmerait un petit peu quand même. Non, là c'était le shop, donc c'était ici. On se perd dans cette zone. J'ai une cravate, est-ce qu'il faut que je l'équipe? J'ai une cravate! Imaginez en un sens la panique des intrus se faufiler dans nos maisons. Ah, il faut que j'équipe la cravate. Objet, cravate. Oui, ici je peux enfiler ma cravate, c'est une bonne idée. Hop là, oh j'ai une petite cravate. Incroyable. Attendez, je sauvegarde. Je sauvegarde parce que j'ai une cravate. Je suis un batteur à cravate. Waouh, c'est grand ici encore. Oula. Hey, il est encore tard de vous repentir de vos omissions, misérables ingrats. Implorez mon pardon sur le champ, vous rejoindrez les limbes dans la minute. Hé, hey, qu'est-ce qui parle? Pauvre crétin, je suis là, en face de vous, prêt à vous envoyer en enfer. Alors, êtes-vous prêt à présenter des excuses à votre père protecteur, bande de locs? Il n'y a qu'un vieux chat là devant. C'est peut-être ça peut être dangereux, un chat. Ça a des griffes qui coupent. Oui, et ça peut transmettre des maladies. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire, ce type qui s'est fait griffer par un chat? Je vous déteste, je vous hais! Mais d'où vient cette voix? Quelqu'un qui a l'air de mauvaise humeur. Oui, il devrait profiter de cet endroit, tellement plat et tranquille. Ici, on ne risque rien. Mais c'est moi qui ai fait tout ça pour vous. Êtes-vous donc aveuglé par votre pathétique peur de vivre? C'est plutôt bizarre, non? Et il suffit! Je vais vous apprendre à me respecter. Oh bah ils sont attaqués. J'arrive! Mais il y a du chemin. Vous serez peut-être mort le temps que j'arrive. Allons purifier ces impurs. Faisons vite. Oh j'ai 4 minutes. D'accord. Oh il est stylé! Il est trop stylé! Je veux savoir qui t'es! Spectre porteur, incarnation ectoplasmique saturée. Oh, trop bien! Excellent! Il se sépare en plein de petits! C'est excellent! Si seulement j'avais un sort de zone pour tous les défoncer! C'est incroyable! J'espère qu'ils prennent pas en compte le combat parce que sinon c'est perdu. Hein. Et par contre, trop bien fait hein, pour un jeu RPG Maker, je découvre vraiment la communauté et les jeux qu'ils ont fait dessus. Hein. C'est excellent. Purifié. Boum, plein de points, le batteur niveau 10, let's go. Il reste 7 fantômes dans les... Ok. Allô, Bismarck est bien trop paisible. Pour ça, sauvez-nous, pitié. Ah d'accord, ah oui, les fantômes sont cachés. La porte ne souffre qu'avec un code. Ok, je ne connais pas le code. Il faut foncer. Fonce! Fonce, cocotte! Ok. C'est parti!
compétences. Boum, 122. Ça fait du bien. Oh, on l'a réussi à le tuer avant qu'il se sépare. Bien joué. Excellent. J'ai 3 minutes pour trouver le reste des fantômes. Là, il y en a 2. Let's go. Ok, donc le batteur. Pouf. Toutes compétences. Oh non, ça a raté. Oh, 236, il a jamais fait autant de dégâts. Boum, let's go. On les éclate tous. À mort les fantômes. Mais ils font pas mal ou on est juste trop fort, ils ont pas le temps d'attaquer. Ils sont gentils en fait là. Ah non, j'ai rien dit. Je retire ce que j'ai dit. Fantômes, il y en a dans ici, viens ici. Jamais autant purifié de ma vie. Mais il va se séparer. Ouais. J'ai pas fait assez de dégâts. Ça dégoûte. Allez! Boum! Ça dégage! Ils sont quand même très passifs, hein, parce qu'ils avaient, le temps de me défoncer plein de fois et ils l'ont pas fait. Donc ils sont presque gentils. Allez, voilà, mets un petit dégât. Bien joué. J'espère que la compétence 3ème base, elle me permettra de soigner tout le monde d'un coup. Ça sera trop bien. 3-23, il y a personne ici. Ok, je cours. Par contre, j'ai fait un speedrun défonçage de fantômes. Comme ça qu'on défonce les fantômes, les enfants. Bien joué. Allez, let's go, ça dégage. Il reste 3 fantômes. Poussez-vous. Ouais. Merde, je suis retourné à l'entrée du village. Oh non. Ah ouais, je peux pas en partir. Zut! Oh non, ça avait trop bien commencé pourtant. J'espère qu'ils sont pas enfermés dans les maisons. Mais non, il y en a un ici. Vite! Il y en a un ici aussi! J'étais pas passé par là! Mais reviens! On se tournait autour. C'était rigolo. Dommage. 274. Mais attends, il fait trop de dégâts. Oh, il a pas réussi à le tuer. J'aurais dû peut-être cibler quelqu'un d'autre. Après, c'est pas si grave que ça, mais... Bah alors, on n'arrive plus à leur faire des dégâts, là ? Ouch. Quand ils commencent à attaquer tous là, ça pue le cul. Pouette. 400 points, 120 crédits, ok, ça dégage, plus que 2. Alors il y en a un qui est... C'était par là, c'est par où? Bah. Comment je faisais pour accéder à l'échelle? J'arrive pas à passer dans... L'échelle est... Ah oui, non, d'accord. Oh, je peux rentrer dans les bâtiments, mais j'avais pas vu. Mais forcément. Viens ici. Arrête de l'embêter. Il faut que j'en trouve un dernier après. Quel enfer. Quel enfer. J'aurais dû mettre en combat auto.
En vrai, je pense que le fait d'avoir un peu trop tourné dans la mine au début, ça m'a fait prendre pas mal d'avance niveau XP. Parce que maintenant, j'ai l'impression de rouler assez facilement sur les ennemis. Après, le jeu est peut-être pas trop compliqué non plus, mais... Mais j'avoue, j'ai pris une petite avance. Ok. Il reste un fantôme, et je l'ai raté. Je ne l'ai pas vu, donc il faut vite que je me dépêche, 2 minutes. Très bien. J'ai forcément... Ah bah il est là. Il était caché ici. Allez, hein, fais-moi un perfect. Raté. Je se turbo-roule à un niveau assez bas, genre à un quart du niveau max, c'est un peu sport, mais ça passe à la moitié du niveau max, tu bourras tout. D'accord, c'est quoi niveau max? C'est genre niveau 20, niveau 30? C'est là, on est déjà niveau 10. Ok, c'est gagné. Tous les fantômes ont été purifiés. J'ai purifié ce lieu, mais cette zone n'est point débarrassée de sa véritable plaie. Où se trouve Japhet? Japhet? Qui est Japhet? Le chat qui dirige les fantômes. Le chat? Non, vraiment, je ne vois pas. Quoi qu'il en soit, nous sommes vraiment reconnaissants de vous avoir aidés. Mais ces choses-là... Ma batte? Oui, votre batte. C'est bigrement dangereux comme objet. Je vais devoir vous demander de sortir du quartier résidentiel. Et de, nous remettre votre cravate. Je vous comprendrai, bien sûr, c'est juste une mesure de sécurité. Oh, ils m'ont viré, les enfoirés! Ah, je suis embarrassé, je l'avoue, mais il s'avère que j'ai besoin de vous et de votre pantin aux intentions purificatrices, cher Cricri. Valérie, mon bien-aimé frère, semble être sorti des rails de la conscience pondérée pour plonger dans les affres de la démence la plus incontrôlable. Il prétend s'appeler Japhet et en plus d'être le représentant royal qu'il n'a jamais été, s'est autoproclamé chef des spectres. Deux rôles qu'il a usurpés, sans aucun doute. Personne dans ce monde, je peux vous l'assurer, n'a de contrôle sur les ectoplasmes. Sauf peut-être la reine, mais je n'en ai encore aucune preuve tangible ni témoignage véritable de cette hypothèse. Quoi qu'il en soit, Valérie a pris place sur le toit de la bibliothèque. Eh bien, que je suppose qu'il ne s'agisse là que d'un hasard, il semble qu'une foule de fantômes parcourt les corridors de ce même bâtiment. Je pense qu'il s'agit pour vous d'une mission parfaite, pleine de cette violence gratuite dont vous semblez vous délecter avec allégresse. D'accord, je vais à la bibliothèque. Ah, je vous suis. Oh, il est avec moi. Là, on récupère tout, bien joué, bien joué, bien joué. La bibliothèque, bien joué. Sur le toit de la bibliothèque. Fonce, Cricri! Bah tiens, on va re-sauvegarder ici. Histoire de, si jamais on perd, on reprend ici. Tac, tac, tac. Épuisant dans ses dernières forces, il créa la bibliothèque plus belle encore qu'elle ne l'était auparavant. Sa hauteur perçait les nuages de fumée, alors il prit place... Il manque la page... Oui, non, oui, mais il manque des pages. Il manque la page 2 et 3. Waouh! J'aurais dû mettre en auto, parce que ceux-là, on les connaît. Aïe! Non mais oh. D'où ça, d'où tu me touches? Tu sais pas qui je suis? Je suis le batteur. Oh, attendez, j'ai gagné plein de compétences. Compétences. Ta-ta-ta. Faible infligeant poison. C'est affligeant. Cécité. Ok, donc lui, il inflige poison et cécité, d'accord. Et dans les autres compétences, lui... Oh, attaque ignorant la défense adverse, ça c'est pas mal, ça coûte cher mais c'est pas mal. Flou photographique, let's go. C'est bizarre qu'il y en ait qui soient en... Ah non, c'est peut-être parce que c'est des trucs... Ah oui d'accord. Ah, c'est des trucs que j'ai
pas équipé. Ambulance, est-ce que tu peux utiliser? Oui, bien sûr. Pas de spécial, ok, d'accord. Et en gris, c'est ce qui est utilisable seulement en combat. D'accord. Oh, coucou JB, j'ai pas vu. Comment vas-tu? Je ne t'avais pas vu arriver. Je suis sur le toit. Pas vraiment, je suis pas vraiment sur le toit. Allez, let's go, on se bat contre une baleine. Est-ce que le jeu fait bien flipper? Alors, le jeu ne fait pas flipper, mais il est étrange. Mais écoute, j'aime beaucoup le jeu. C'est très particulier, mais j'aime bien. Il avait tout pour eux, tel un protecteur bienveillant. Il leur avait offert la tranquillité, la sécurité et diverses façons de se divertir. Tout cela dans un élan unique de générosité. Avant, c'était 1-4 et là, c'est 2-9. 1-4, 2-9. Si jamais il faut retenir des trucs, parce que j'ai bien compris que dans ce jeu, il fallait retenir des trucs. Un temps, cela fut bon pour tous et ils profitèrent avec joie de ce lieu créé pour eux dans l'insouciance la plus enfantine. Ils couraient dans les rues enchantés par tant d'eux. Donc, 1-4-2-9-3-9. 1-4-2-9-3-9, je vais le noter quelque part. Donc, c'est pas flippant, mais c'est très 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 sympathique et en plus, ça me permet de découvrir la scène de RPG Maker, parce que je ne connaissais pas du tout tout ce qui a été fait, donc je remercie Gao pour cette découverte, parce que c'est vraiment cool. Bon bah dis donc, il y a eu des critiques là qui sont parties. Hein. Ça a pas suffi, mais il y a eu des gros critiques qui sont parties. Hein. Ah ouais, la baleine, je crois l'avoir déjà vu quelque part. Ah ouais? Ok, c'est purifié, c'est gagné, plein d'argent. Mais la mécanique du monde eut au fait de devenir folle. Ils oublièrent leur joie pour sombrer dans une spirale de peur et de stupide inquiétude. Il n'était désormais... Est-ce qu'il y a un autre livre ici? Ah, du coup, je sais pas dans quel ordre ça va aller. Il y avait 4-7 et 5-1. Je sais pas si ça me servir, mais... 4-7 et 5-1. Quant à l'oiseau de feu, il pleurait seul sur son trône, triste de l'oubli dans lequel les hommes l'avaient plongé. Il n'avait tant désormais que pour leurs soucis. Le côté horreur arrive peu à peu et se sent surtout sur la deuxième moitié du jeu. Ah d'accord, ok. Je l'ai vu chez Farod Game. D'accord, ok. Ah, donc t'auras aucune surprise avec ce jeu, JB. Oh non, juste avant de passer la porte! Oh non, vous auriez pu éclater le petit fantôme quand même. Tiens même. Voilà, comme ça, gros coup de batte de baseball. Ça, c'est très bien. Bien joué, bien joué. Ok. Et on continue. 6-6. Alors l'oiseau de feu devint chat et le chat devint le maître. Et emporté par sa colère et sa tristesse, il fit pleuvoir sur ses sujets une tempête d'esprit néfaste. Sa folie l'aveuglait. J'ai pas trop de souvenirs en réalité. Et pendant que le spectre détruisait sur lui le monde qu'il avait lui-même créé, il se réfugiait au sommet de sa plus magnifique création, la grande bibliothèque. Je suis désolé, je marque tous les chiffres parce que bon, on sait jamais. Hein. Je l'ai vu 10 minutes. Ah oui, t'es pas resté très très longtemps à le regarder quoi. Y a quelque chose par là? Non. Je le savais! Il ne lui restait plus qu'à attendre le purificateur, l'homme qui allait se lever pour le détruire. Car au fond de lui, il le savait. Ce qu'il faisait était mal. Fin ! Ok. Alors. Ah non. Du coup, ça marche pas. Donc, 4. 9,
9. 1. Non mince. 4. 9. 9. 7, pardon. 1. 6. 4. Et j'imagine que ça c'est 0. Hop là, j'ai bien fait de tout noter. L'intelligence, ça y est, j'ai enfin compris comment fonctionne ce jeu. Bien joué à moi, GG. Comme ça, ça m'évite de refaire tous les étages. J'ai vu les numéros de page, j'ai fait bon. Faut que je fasse quelque chose. GG, merci. Eh, hey, sympathique Paranoales, Panorama, Panoraya, Paranoia, Panorama, j'en oublie même qu'il s'agit que d'un jeu vidéo. Alors, qu'est-ce que tu peux, bille de chance, rend quelques PV, nanana, joker, viande, la batte Emmanuel, la batte Michael, je prends évidemment. Symbole colérique, il y en a un qui est équipé, combatif, loyal. Ah, le loyal est mieux. Symbole solide. Attends, les deux. Moi, je prends le plus cher. Aura de peur. Aura de... Ah, c'est vrai qu'il n'en a pas. Aura de perception. Tunique David, il l'a. Tunique Minwoo. Ok, je prends. Je prends tout. Épiderme Cubitus. Épiderme Humerus. Let's go. C'est cher, mais... Couleur de peine, couleur de tristesse, inspiration, objet utilisable pendant le combat ou œil. Très bien. Je vais changer du coup tous mes équipements. On va en revendre certains, je pense. Donc la batte Michael qui me fait passer à 169. Bien joué. L'aura de perception qui me fait passer à 109. Ok, la tunique qui me fait passer à 111. Et là, non, rien. Ok. Mince, le symbole solide qui me fait passer à 156. Aura de perception. Épiderme Humerus. Nope. Demain, je suis de repos, je pourrais venir pour le jeu de jeudi. Demain, c'est Inscription. On fera aussi la true ending de Little Miss Fortune. Mais ça sera au tout début et ça ne durera pas forcément très 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 longtemps. Hop là, je vais revendre du coup des trucs. Vendre. Je commence à avoir trop de trucs. On revend la batte. On revend le symbole. Je fais un petit peu de place dans tout ceci. Ça vaut pas cher, ça vaut un petit peu plus cher, c'est bien. Ça c'est pas très cher non plus. Voilà, j'ai tout revendu, bien joué. Ah, Miss Fortune. Oui, j'aimerais bien quand même voir la vraie fin et je me suis dit qu'on le ferait demain. Voilà, donc ce sera fait demain. Hop. Et je pense que là on va terminer avec ce boss certainement. Oh, c'est joli ce graphe. Ah, Valérie! Valérie! C'est le nom du chat! Tu te trompes de personne! Je suis Japhet, l'oiseau de feu, le gardien de la zone 2! Ah, c'est donc tes délires paranoïaques, frérot, et reviens avec moi à la zone 0! J'y ai aménagé une cave où nous oublierons ces tristes moments! Je suis pas ton frère, je n'appartiens même pas à la race des carnassiers! Regarde mon véritable visage, pauvre matou nauséabond! Valérie? Tu ne comprendras donc pas. Je ne suis pas Valérie, mais Japhet. J'ai pris le contrôle de ton pathétique frangin. Même pas capable de croquer un oiseau jusqu'au bout. Qu'importe. Japhet, je suis ici pour te purifier, toi qui prétends contrôler les spectres. Je t'attendais, batteur. Je ne me rendrai pas sans me battre. Valérie. Oh, ça, la musique a fait peur.
Il faut me comprendre, ces imbéciles, ils ne se préoccupent que de leur minérable tracas. J'ai tout fait pour eux, ils sont tels mes indénombrables fils. Parfois, il est nécessaire de punir les enfants irrespectueux. Ok, eh bien, c'est parti. Let's go. Alors déjà, grand angle. Ok. Ah bah, je ne saurais pas de quoi il est... Ouais. Compétence, tout. Hop, cécité, tu auras du mal à attaquer. Et toi... Ah tiens, j'ai envie de tester ça. Boum, 132. Aouh. Eh, ça pique. Ok. Ouais, j'ai péché, je le reconnais, mais cette tâche n'est pas celle d'un mortel. Ok. Poison. Euh, 40. Abusé. Ah merde. Il est trop stylé l'oiseau. Il est trop stylé. Le petit oiseau va sortir. J'ai vu. C'est très stylé comment il a fait évoluer le boss. Très bien, purificateur. Si tel est mon destin, je suis prêt à mourir. Mais avant cela, prépare-toi à me voir sous ma véritable forme. Waouh. Je suis Japhet, seigneur de la zone 2. Je suis l'oiseau de feu millénaire. Battons-nous maintenant. Oh, il y a juste la petite carcasse de chat, c'est terrible. Et la musique, elle a changé, c'est trop bien. Oh, 116 de dégâts. Ah ouais. Faut que j'utilise un peu plus les compétences. Ça n'a pas rendu autant que j'aurais espéré. 228, il a pris 228 dans les dents. Oh, 265. Compétences. Tac. C'est vrai qu'il faut pas que j'utilise trop les... Les compétences. Après, on a quand même pas mal de points, donc il faut quand même que je le fasse, parce que sinon... Merde, il faut que je souhaite. Il a failli mourir. Il est pas mort. Bien joué. Putain, il s'acharne sur l'oméga, hein. Ah ah, ça, bon, ça sonne, ouais, ça, en fait, ça sert plus à grand chose, en fait. Oh, j'avais pas vu qu'il était empoisonné. Mais merci, Yao. J'avais pas fait attention. Oh merde, j'ai attendu trop longtemps. Il lui reste un point de vie. J'ai pas fait gaffe. Comme à chaque fois je voyais pur, j'ai pas fait gaffe. Oui, ça fait super mal en fait. Euh, 200, bam dans les dents. Il fait super mal. Enfin un combat digne de moi. Oh merde, le poison, mais bordel. Le poison. Mmh.
attaque. C'est lequel qui a la compétence non, lui il a un fiche poison. Donc c'est l'autre qui guérit du poison. C'est compliqué, il fait mal. Non. J'ai l'impression qu'il faut quand même en plus aller vite, donc. Pas celui-là, celui-là c'est très bon. Ça n'a rien changé. Bien joué. On va se faire un petit tour. Un petit tour et puis il s'en va. Allez, il va falloir soigner là. Il va falloir soigner le batteur qui soigne sur la deuxième base. Le poison est partout, mes frères. On l'entend pas trop, malheureusement, c'est dommage. Peut-être soigner le batteur en fait, je suis con moi. Et ce... Allez! On le défonce! Let's go! Oh merde, encore le poison! Moi aussi j'en infligeais hein, du poison! J'ai l'impression il fait pas grand chose en dégâts, c'est terrible. Du poison. Let's go. Adversaire purifié, 5000 points d'expérience récoltée, 1000 crédits, carte du poison, du poisson, récoltée, le batteur niveau 11. Waouh! Ainsi, tu m'as battu! Tu peux être fier! Tu as accompli ta mission, batteur! Valérie! Tu es vaincu, Japheth, gardien de la deuxième zone. Cet endroit est pur désormais. Désirez-vous sauvegarder? Oui! Et je pense même qu'on va s'arrêter là parce que je vois l'heure. On va s'arrêter après ça, justement. L'oiseau, il est parti aussi.